Bam! Salut tout le monde, c'est Louis Clément de la chaîne Arsec. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le Google Home Mini. On ne va pas faire une vidéo sur ses capacités car nous sommes sûrs que vous les connaissez déjà. On va voir ce qu'il apporte par rapport au Google Home classique et est-il du coup plus intéressant de dépenser 60€ pour cet assistant numérique. Premièrement, une boîte en forme de cube plutôt sobre avec les différentes fonctions inscrites sur cette boîte. En l'ouvrant, on tombe directement sur le Google Home Mini, ici en couleur charbon, et en dessous de celui-ci, on retrouve uniquement son câble secteur qui permet de l'alimenter. Ce Google Home Mini est fait de plastique et de tissu ainsi que pour la base, ce sera du caoutchouc pour ne pas le laisser glisser de votre meuble. Sur les deux extrémités de ce Google Home Mini, on retrouvera les boutons tactiles pour augmenter le volume ou le diminuer, du petit galet signé Google. Il est aussi composé d'un bouton mute qui vous assure de couper le micro pour ne pas qu'il entende ce que vous dites, malgré le fait que Google vous assure de ne pas enregistrer vos conversations. Justement, ce haut-parleur il est comment? Il a un son plutôt net mais il ne faut pas compter sur lui pour les basses. Google met vraiment l'accent sur le fait que ce n'est pas une enceinte et que cela nous permet quand même d'utiliser l'assistant vocal de celui-ci. Et bien sûr, on pourra venir effectuer donc les actions les plus classiques comme... Mets la lumière du bureau en orange. Compris, je change la couleur pour la lumière bureau sur orange. Mais Stranger Things sur Netflix sur Chromecast. D'accord, je mets Stranger Things depuis Netflix sur Chromecast World Home. Qui est Raptor Jésus? Le site jeuxvideo.com contient l'information suivante. Me direz-vous, Raptor Jesus est une théorie selon laquelle Raptor Jesus a été créé par Dieu, qui d'après des sources est un monstre spaghetti volant, pour prêcher la bonne parole auprès de nos défunts frères dinosaures, le sont-ils vraiment? On espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cette vidéo vous plaît, et mets-nous en commentaire ce que tu penses du Home Mini. Ciao!